Hey, what's up tout le monde, c'est Warblaze. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo je vais présenter deux nouveaux wallbreaks sur la carte Zetsubou Noshima. Avant toute chose, je tiens à dire que je compte envoyer cette vidéo à la GlitchHackFR comme vous avez pu le voir à l'intro, et je remercie bien sûr Simublood. Et donc les gars, pour commencer ces deux glitchs, on va commencer donc dans la salle des cocons, où il vous faudra réaliser un wallbreak à l'aide d'une araignée. Donc ces deux glitchs sont bien sûr des exclus. Et une fois wallbreak, on va donc tomber sur un petit spot qui se situera en dehors de la carte et tous les zombies s'aggroeront à vous et vous serez bien sûr invincible de tous les zombies possibles. Malheureusement, vous pourrez tirer que sur les zombies qui se situent au-dessus de vous et pas ceux qui sont juste à côté parce que tout simplement le mur va être trop dur pour que les balles passent, voilà. Donc maintenant les gars, on va passer à la suite. Donc pour la suite, c'est un wallbreak qui se situe juste au niveau de la tyrolienne, donc c'est encore une fois une exclue. Vous devrez réaliser la même méthode de wallbreak avec une araignée, et une fois que vous aurez wallbreak, cette fois vous aurez un grand espace, vous pourrez tirer avec des balles en haut fourneau, et donc vous pourrez tuer tout votre tas de zombies, et vous pourrez rendre tous vos alliés invincibles, comme vous êtes en train de le voir. Voilà, donc j'espère les gars que ces deux petits glitchs vous auront plu, n'hésitez pas à commenter, liker, pourquoi pas partager la vidéo, ça me ferait super plaisir, et moi en tout cas je vous dis bye tout le monde.